Dans l'épisode d'aujourd'hui, on a Johan qui est de nouveau sur le chantier pour la troisième fois, qui est venu nous aider. Cette fois-ci, vous verrez des images. On a travaillé à l'intérieur sur notamment les chambres qui ont bien avancé, l'isolation que vous nous demandez depuis très longtemps. Voilà, il y a plein de choses à voir. On a bien avancé. C'est parti. C'est sec là? Ouais. Je te refais la même? Ah ouais, refais la même. Ça marche les électriciens? Ça marche, ça roule, ça roule. Ouais, y'en a pas beaucoup. Oh là là, y'a du monde. Et comment on a marqué l'autre là-bas? Miroir. C'est à droite de ça. T'as même plus loin. On va passer par là, non? La douche, elle va finir par là. La vasque, elle va être par là. Je pose le plancher au plafond. On fait rien comme les autres, nous. Rien comme les autres. On met du parquet au plafond et à l'envers. Et à l'envers. Mais c'est parce que j'avais pas qu'une seule teinte, donc c'est pour garder la couleur unie. Mathieu, il a une théorie. Il dit qu'en fait, tout est normal. Et à la fin, on démonte. Et du coup, le parquet, il est coupé pour être au sol. Vas-y, explique-nous pourquoi tu mets du parquet au plafond. Ben là, Francis, on est en train de mettre un parquet au plafond pour créer la lame d'air obligatoire pour séparer l'isolant de notre plafond. Donc ça, c'est quelque chose qu'on nous a demandé avec les procès-verbaux de faire ma selle. Donc tout ce qu'on a fait, plutôt que se faire chier à passer des grandes plaques, on a trouvé des vieux parquets flottants de la gamme Meister. Plus rien en couleur qui correspond, mais c'est pas grave. Ils sont juste là pour faire la structure. Donc une fois que ça s'est passé, on va pouvoir balancer notre isolant par-dessus et respecter ainsi les PV ou le feu. Et après, on viendra mettre notre plafond à ce niveau-là. Et comme ça, on aura un vide d'air ici d'à peu près 10 cm qui viendra protéger notre isolant de notre feu. Et voilà. Et voilà, et t'as tout compris ? Voilà. C'est pour ça que c'est compliqué dans l'hôtellerie. Bon, on va aller voir Mathieu et Bruno, ils sont en train de passer les gaines électriques un peu partout. Alors ? Oh, c'est beau, il y a l'électricité. Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais des trous partout encore ? Et toi, c'est beau ce que t'as fait ? Non mais alors toi, entre les mantelles, le gruyère et les plaques, là, tu me fais des trous dans tous les sens. Regarde-moi ça. Regarde-moi le travail. Ah, c'est comme ça, c'est boulot. La gardienne. Dis donc, note. Assis-toi. C'est une star, hein. Elle a demandé à être présentée. Donc voilà, ça c'est Nuts. Voilà, incline-toi. Voilà, c'est la gardienne. Bon, ben vas-y, remets ça en couche. Tu parles comme Dark Vador, toi? Si, si. Je suis ton père. Vas-y. Vas-y, démarre.
je fais pas mal. Depuis le temps que vous nous demandez l'isolation, la voilà. C'est fini. Le premier qui dit qu'il n'y a pas d'isolant dans les cloisons, il est banni de la chaîne. C'est bon ? Oui. Et où? Au niveau de la poutre pour que ça passe un peu de l'arrière. Et ouais, je vais jusqu'à le boucher. Hop, ça déborde. C'est bon, c'est dans la boîte. C'est dans la boîte. C'est magnifique. On l'a fait. On a mis l'isolant. On a mis l'isolant, on veut plus un seul commentaire qui dit qu'on l'a pas fait. On l'explique dans chaque vidéo. Vous êtes même pas capable de suivre. On va vous expliquer ce qu'on a mis. Regardez. Viens, on va aller dans la chambre. Regardez ça. La ouate de cellulose en vrac. Regardez ce truc là. Ça, isolant biosourcé. Voilà, c'est pour les pingouins. Cellulose. Ça coûte cher, mais c'est écologique. Voilà. Dans cette consigne, si vous êtes intéressé, vous regarderez comment ça marche. C'est pour comble, rampant, plancher, mur. Donc là, on a rempli au niveau du bas, ici, pour respecter les normes en laine de roche. Donc en laine de roche, en vrac, comme ça. Et au-dessus, les rampants et les futurs plafonds, ce sera en ouate de cellulose. Donc ce truc là, voilà, c'est tout du vrac. Voilà, d'un peu plus près, c'est du papier recyclé. Voilà, on a mis l'isolant, c'est pour ça qu'on avait plaqué avant. Là, de ce côté là, il y a une partie de l'électricité qui a été passer aussi pour les chambres. Donc là, voilà, toutes nos gaines sont posées. Il y aura un espace bureau là-bas. Donc voilà, un plan élec. Au départ, ça ressemble à ça. Donc là, ici, pareil, les gaines élec ont été installées partout. On a commencé à faire un petit peu d'enduit sur les trous de vis. Et puis, la structure du plafond est en train d'être installée. Ah oui, c'est pour ça que j'arrive pas à la mettre, c'est que c'est là. Ben voilà. Putain. Au moment où j'arrive, tu foires. Tu mettras un peu de sucre, hein. Mais ça, c'est la recette maison, mon gars. Un peu d'eau, un peu de plâtre. Et avec ça, on fait tout. Fais ça bien, Johan, on compte sur toi. Ça veut pas, hein. Bon, ça veut pas. Ça veut, ça rentre d'un côté et ça sort de l'autre. On n'a jamais dit que ça serait facile. Regarde, je t'envoie des mouettes, moi, sinon. Allez, une de plus, c'est bon. Et la suivante. Tu sais qu'il y a 14 chambres, hein. Oui, on n'est pas arrivé au bout, hein. Depuis, hein. Encore 12.
t'es encore raté. J'ai que du bêtisier avec vous, c'est pas possible. Je voulais juste filmer une petite plaque. Ah. Non, non. Ah. Mais non, parce que cette fois, merci. Bruno. Attends, mets-la quand même à plat pour voir si le coup de son bonne. Jamais ici, elle est bonne. Ah bah si. Putain, j'ai eu peur. Ah, tu lui mets le dos. La cuite du week-end, elle a dû être violente. Ouais. Vas-y, ramène-la à moi là. Voilà, dans l'autre chambre, le parquet a été complètement posé, donc c'est de la récup. Pour terminer, un petit tour complet du deuxième étage, là où les travaux ont le plus avancé. Donc on est parti. On commence du côté de la tour. Donc à cet endroit-là, vous aviez vu la porte. On a commencé à cloisonner puisqu'il y a une chambre à cet endroit-là. Donc la cloison de la salle de bain a été posée. La salle de bain sera dans le fond. Ce sera des portes à galandage qui seront intégrées donc à la cloison. Donc une première chambre. Au niveau du couloir, on a plaqué notre cage d'escalier, une partie des rampants, la zone de l'ascenseur, poser la porte du couloir. Là, en ce moment, il y a le petit chantier de la lingerie qui est en cours pour le rangement. Au niveau du couloir, ça a bien avancé. Les cloisons commencent à être plaquées, l'électricité a été passée, le plafond a été posé. Tout de suite à gauche, on a une première chambre qui est complètement plaquée, plafond inclus, l'électricité a été passée. La prochaine étape, ce sera donc la cloison de la salle de bain. On continue dans le couloir. À cet endroit-là, le plafond a été posé, la porte et la cloison de la salle de bain sont en cours. Donc une porte à galandage qui permettra de rentrer dans la salle de bain avec le lavabo ici, la douche dans le recoin. Là, de ce côté-là, le rampant est en train d'être plaqué pour une chambre qui se trouvera ici à la place du paquet. Au niveau du fond, donc les deux chambres ont été plaquées, plafond inclus. Voilà. Et celle-ci également, le plafond est terminé. Et donc, on a la salle de bain qui se trouvera au fond avec le galandage qui sera bientôt installé. Voilà la cage d'escalier principale qui, elle, est en cours de chantier. Voilà, les travaux ont bien progressé et puis on se quitte là-dessus pour aujourd'hui. Bon, ça y est, la semaine est terminée, on va en profiter pour se reposer un petit peu, aller manger. Pour le petit côté historique, on est en train d'aller au château de la Borde. Un restaurant sur Ussel, et c'est le même seigneur à l'époque, enfin, 12e siècle, 11e siècle, qui a construit et le château du Teil et le château de la Borde. Donc un petit côté sympathique, on retourne aux sources. Qui reste après le boulot. Vas-y, fais le mec fatigué. Le mec fatigué. C'est bon, c'est dans la boîte, merci. C'est dans la boîte, hein. Merci Yoann. Ça, c'est pour le bêtisier, ça.